Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Osée. Lors de la dernière étude biblique et dernière vidéo, nous avons vu quelques éléments du contexte historique, du contexte politique et comment ça a influencé la prise de décision de l'éloignement du peuple de Dieu et comment ça a influencé aussi le message du prophète Osée. Et nous continuons un peu dans cette analyse politico-historique en disant que l'histoire d'Israël, hein, après, à la fin déjà de cette période du royaume du Nord, parce qu'il va disparaître en 722 avant Jésus-Christ, par l'invasion de l'Empire assyrien, hein, l'histoire ultérieure d'Israël, le royaume du Nord, ici on parle d'Israël, royaume du Nord, parce que le royaume de Juda, royaume du Sud, il va résister encore quelques siècles après. Hein? Et cette histoire ultérieure d'Israël, le royaume du Nord, a prouvé en fait la véracité des oracles d'Osée. Hein? Il prêchait que Samarie, hein, c'est-à-dire le royaume du Nord, va disparaître, va subir les conséquences de sa désobéissance. Hein? Et pourquoi? Parce que juste après la mort de Jéroboam II, hein, c'était le roi, nous avons vu ça, c'était le roi qui a restauré le territoire, l'économie et la politique du royaume du Nord, qui à ces moments-là prenait un essor semblable à la période du roi David et Salomon. Mais après la mort de Jéroboam II, il y a eu toute une série de coups d'État, hein, une instabilité politique pour la prise du trône d'Israël. Et ça, c'est logique, hein, parce que plus de terres, plus de pouvoir, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de relations diplomatiques et tout. Hein, et du coup, le trône d'Israël se faisait convoiter par les autres rois aussi, ou les prétendants au trône d'Israël. Hein? Et toute cette série de coups d'État ont en fait enterré la vie d'Israël, sa vie politique, sa vie économique, de plus en plus jusqu'à la captivité assyrienne. Et voilà que le royaume du Nord Israël est disparu pour de bon. Hein? Quatre des six derniers rois en Israël, dans une période de 30 ans, ont été assassinés. Et leur dernier roi, hein, le dernier roi d'Israël, le roi Osée, à ne pas confondre avec le prophète Osée, hein, il a été emmené captif en Assyrie. Donc, nous voyons là, je vais vous mettre le texte biblique. Et le roi Osée, dans le chapitre 10, à partir du verset 5, il dit, hein, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth Aven, le peuple mènera le deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Et là, il y a un jeu de mots pour le terme gloire, parce que gloire, vous le savez déjà bien. Gloire en hébreu, ça veut dire poids, essence. Okay? Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le royaume d'Israël avait récupéré une bonne partie de ce territoire, et il y a eu même cette politique expansionniste du territoire d'Israël par Jéroboam II, selon ce qu'on vient de voir aussi. Et toute cette puissance territoriale, économique et politique, ça nous amène aussi à penser à la gloire d'un royaume
qui prend son essor enfin, après des siècles, après le royaume de David et Salomon, après la séparation du royaume du Nord et du royaume du Sud, enfin le royaume d'Israël connaît une période de prospérité et tout, quoique cette prospérité ne va pas enrichir que les rois et les marchands, hein, parce que les pauvres continueront pauvres. Mais enfin, nous avons une gloire, hein, une essence, une présence dans la Palestine. Et cette gloire va disparaître. Hein? Non seulement la gloire politique, économique, cet essor qu'on connaissait à l'époque, mais la gloire dans la racine du terme gloire, c'est-à-dire la présence d'Israël, va disparaître. Donc, Israël, non seulement il a perdu sa politique, son économie et tout, mais il a perdu aussi sa présence, il a perdu aussi son essence, parce que le royaume du Nord, Israël, va disparaître. Et pourquoi? Parce que l'Empire assyrien avait la politique de dissoudre les royaumes qui ont été conquis, hein, de dissoudre toute la culture, tout le peuple qui vivait là, ils le mélangeaient les uns avec les autres pour les faire disparaître. Donc voilà comment cette gloire va disparaître, hein, et la gloire dans les deux sens, la gloire de la politique, l'économie, le territoire et tout, mais aussi la présence, simplement sa présence, parce que le royaume d'Israël sera disparu pour de bon. Hein. Et c'est Osée qui continue à dire au verset 6, hein, elle sera transportée en Assyrie, hein, portée littéralement, hein, mélangée avec d'autres cultures pour servir des cadeaux au roi Jareb. Donc voilà, c'était un cadeau. Et pourquoi un cadeau? Parce qu'ils étaient aussi réduits à l'esclavage. La honte s'emparera d'Éphraïm et Israël rougira de ce projet. Ça veut dire que tout, absolument tout, tombe à l'eau. Ça va disparaître pour de bon. Ça s'est pas produit au moment même de la prophétie, mais quelques années plus tard, hein, en 722, cette prophétie s'accomplira. Ok? Sans compter aussi les coups d'État et tout le reste, hein? C'est-à-dire de menaces de l'extérieur et les menaces internes aussi. Parce qu'il y a eu des coups d'État qui ont mené à cet affaiblissement d'Israël. Et le roi Osée, nous pouvons lire ça, hein, deux rois. Deux rois, chapitre 17. Verset 6. Donc voilà ce que nous lisons. La neuvième année du règne d'Osée, hein, c'est bien le roi Osée, pas le prophète Osée. Le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Donc ils ont été transportés, enlevés du territoire d'Israël et il les fit habiter à Calah ainsi que sur les rives du Rabor, le fleuve des Gozan, dans les villes de Mède. Et donc, ils ont mis sur le territoire d'Israël d'autres peuples aussi, pour faire disparaître la culture de tous ces peuples, dans le but de les affaiblir, tout simplement. Et du coup, cette politique d'Israël, hein, c'est-à-dire le fait de se faire mené par cette sœur
politico-économique à l'époque, hein, a déstabilisé complètement la politique et l'économie d'Israël. Hein. Ils se sont fait illusionner par cette richesse temporaire et c'est justement ça qui a provoqué toute une série de coups d'État et la déstabilisation de l'économie et de la politique. Hein? Ce qui était un point fort est devenu la faiblesse du royaume du Nord Israël. Et pourquoi? Parce que la richesse, elle fait ça. Elle nous fait croire que nous sommes puissants, que nous pouvons tout faire, tout réaliser. Parce que nous croyons tellement puissants, nous avons le territoire, nous avons la puissance, là, l'économie va bien et tout va bien. Et c'est là le piège. Hein? Et ça a déstabilisé la diplomatie avec les autres nations aussi. Pourquoi? Parce que nous allons voir ce que le prophète Osée nous dit à propos de cette politique interne et externe du royaume d'Israël. Osée chapitre 7, et justement là, hein, les reproches contre les alliances politiques. Hein, tout allait tellement bien qu'ils ont fait confiance 100% dans cette politique externe. Hein. Et voilà, Osée 7, 11. Comme quoi, nous voyons en fait que les prophètes d'Israël, les prophètes de Juda, ils ont aussi touché au sujet politique. Hein? La politique est aussi un sujet spirituel. Hein? La mauvaise politique peut nous éloigner du Seigneur. Hein? Et voilà ce que j'ai dit à propos de la politique externe d'Israël. Éphraïm, nous avons déjà vu, Éphraïm est le nom poétique du royaume du Nord Israël. Hein? Lorsqu'on dit Éphraïm, on dit royaume du Nord Israël. Hein? Donc Éphraïm est comme une colombe stupide sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. Hein? Pour assurer sa politique. Sa stabilité politique, puis rassurer son économie, qu'est-ce que le royaume du Nord Israël fait? Il va faire une alliance politique avec l'Égypte, alors que l'Égypte va trahir Israël, et ils vont en Assyrie. Mais rappelons-nous que l'Assyrie menaçait d'envahir tous les royaumes là-bas au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient. Hein? C'est-à-dire que le royaume du Nord Israël, il va chercher de l'aide justement auprès de l'empire qui menaçait les envahir. C'est pourquoi Osée les compare à une colombe stupide sans intelligence. Hein? Ils ont eu l'intelligence, hein? Ils avons eu l'intelligence de récupérer tous les territoires. Mais ils n'ont pas l'intelligence de faire des alliances au lieu de faire confiance au Seigneur et de mener une vie tranquille, paisible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher encore plus de puissance et pour assurer cette vie tranquille, au lieu de faire confiance à la loi de Dieu, à la présence de Dieu, puisqu'on a oublié la présence de Dieu au milieu du peuple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher de l'aide auprès de nos ennemis. Et pourquoi chercher de l'aide auprès de nos ennemis? Parce que ils faisaient tellement confiance à leur intelligence, à leur diplomatie, à leur tact politique, qu'ils vont chercher de l'aide auprès des ennemis. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie, et voilà comment le prophète Osée va les traiter, une colombe stupide sans intelligence. Ils se croient très intelligents parce qu'ils ont pu récupérer les territoires d'Israël et l'économie allait bien. Mais non, en fait, ils sont
sans intelligence et sont stupides pour croire que toutes ces alliances politiques avec les ennemis d'Israël pouvaient assurer leur survie, alors que non. Nous voyons aussi qu'il y a eu toute une série de décisions politiques qui ont été faites, hein, et sauf que ça a causé la destruction d'Israël, le Royaume du Nord. Donc, nous lisons là. Pour empêcher une invasion assyrienne, le roi Menahem a fait d'Israël un vassal de la Syrie, en rendant hommage à Tiglath-Pileser. Roi Menahem, c'est le roi d'Israël, le royaume du Nord, et Tiglath-Pileser, c'était le roi de l'Empire assyrien. Et donc, il va rendre des tributs à Tiglath-Pileser en 740 avant Jésus-Christ. Hein? Rappelons-nous que à peu près 20 ans après, c'est l'Empire assyrien qui viendra en Israël pour les enlever de son territoire. Hein? C'est justement l'Empire assyrien qui va faire ça. Donc, lisons ce que ce roi a fait. Hein? Comme je vous disais, il faut lire les livres des prophètes du 8e siècle en parallèle avec le livre de Deux Rois. Sinon, on ne va pas saisir tous les enjeux. Donc, 15-9. Chapitre 15-9. Voilà. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses ancêtres. Il ne se détournait pas de péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc, voilà comment le livre des rois va classer le règne de tous ces rois. Hein? Si on continue la lecture, malheureusement, on n'a pas le temps de tout lire, mais Shalum, fils de Jabesh, conspira contre lui et le frappa à mort devant le peuple, puis il devint roi à sa place. Le reste des actes de Zacharie, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël, ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu. Tes descendants jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Donc voilà, et ça commence toute une série de coups d'État. Hein? Donc, Deux Rois 16:5. Deux Rois 16:5 à 9. Alors, Rétsin, le roi de Syrie, et Pekah, fils de Remalia, le roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akas. Hein? C'est-à-dire, roi d'Israël, royaume du Nord, assiégèrent Akas, le roi du royaume du Sud. Et c'est là que l'histoire et la prophétie d'Osée, elle touche aux prophéties d'Ésaïe, parce que Akas, c'était le roi du royaume du Sud lorsque Ésaïe commence son ministère. Donc, Osée et Ésaïe sont contemporains, mais Osée s'adresse au royaume du Nord et Ésaïe au royaume du Sud. Okay? Bon, ils n'ont pas parvenu à le vaincre. À la même époque, Rétsin, roi de Syrie, ramena Élath sous l'autorité des Syriens. Il expulsa les Juifs d'Élath et les Syriens vinrent y habiter, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, dans l'époque où ce texte a été écrit. Pas aujourd'hui, aujourd'hui, notre époque. Hein? Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, hein, le roi de Juda, royaume du Sud, avait envoyé des messagers à Tiglath-Pileser,
hein, l'empire assyrien, pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils, monte, délivre-moi des attaques du roi de Syrie et du roi d'Israël. Voilà la coalition Israël-Syrie, et c'est pourquoi nous parlons de la coalition Syro-Éphraïmite, hein, Syro de Syrie et Éphraïmite de Israël, hein, parce que Éphraïm, ça veut dire royaume du nord Israël. Akas prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, dans les trésors du palais royal, et les envoya en cadeau au roi d'Assyrie. C'est-à-dire que pour les délivrer de la menace assyrienne, le roi avait pris le trésor du temple de Jérusalem pour le délivrer. Au lieu de faire confiance au Seigneur, Akas fait confiance aux richesses. Donc, et nous avons là un peu le résumé, hein. Le roi Péka d'Israël attaque Juda en raison de son rejet de la coalition contre la Syrie. Akaz, roi de Juda, demande de l'aide à Tiglath-Pileser d'Assyrie en lui offrant un lourd tribut. Donc, on va payer un impôt pour qu'il nous délivre de nos ennemis au lieu de faire confiance au Seigneur. Cela fait de Juda un vassal aussi de la Syrie en 735 avant Jésus-Christ. Hein? On se rappelle toujours de la date de la chute de l'empire du royaume du Nord Israël, 722. C'est-à-dire que tout ça se passe quelques années avant la chute de l'empire pas de l'empire du royaume du Nord Israël. La Syrie a vaincu cette opposition. Bien sûr, cet empire était beaucoup plus puissant et a pris le contrôle de toute la Samarie, hein, c'est-à-dire aussi Israël, le royaume du Nord, et a emmené un grand nombre d'Israélites captifs en Assyrie. On continue. Le roi Osée du royaume du Nord, hein, Israël, a demandé de l'aide de l'Égypte. Voilà la prophétie d'Osée qu'on vient de lire tout à l'heure. Hein? Osée du royaume du Nord a demandé de l'aide de l'Égypte pour vaincre la Syrie. Hein? Si le roi Akaz du royaume du Sud, Juda, est parti en Assyrie pour lui donner un tribut pour qu'il n'envahisse pas Juda, qu'est-ce que le roi Osée du royaume du Nord va faire? Il va demander de l'aide à l'Égypte pour vaincre la Syrie. Hein? Cependant, cette alliance va échouer et il va aussi payer de tribut à Tiglath-Pileser. Et Osée, tout comme tout le royaume du Nord Israël, va devenir directement responsable de la destruction de Samarie ou Israël en 722. Du coup, tous les deux, hein, le royaume du Nord et le royaume du Sud, vont tous les deux payer de tribut à l'empire assyrien, et l'empire assyrien va tout détruire. Il va détruire complètement le royaume du Nord Israël, il va envahir la plupart du territoire du royaume du Sud Juda, mais le royaume du Sud Juda a été épargné du temps du roi Ézéchias. Hein? C'est-à-dire que le roi Ézéchias, à un moment donné, il avait fait confiance au Seigneur et le Seigneur l'avait délivré. Non seulement Ézéchias, mais le royaume du Sud, Juda. Mais par contre, le royaume du Nord, Israël, est disparu pour de bon en 722 avant Jésus-Christ. Et nous lisons ça en 2 Rois 17. À partir, voilà, du premier verset, la 12e année du règne d'Akas sur Juda, Osée, fils d'Éla, hein, pas le prophète, mais le roi, devint roi d'Israël à Samarie, il régna 9 ans. Donc, voilà que ça, c'est aussi la période du prophète Ésaïe au royaume du Sud. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Il fit ce qui est mal, mais pas autant.
Voilà comment les rois, ils ont été classés. D'ailleurs, une curiosité historique, aucun des rois du royaume du Nord Israël n'a été considéré bon. Tous sont classés comme des mauvais rois. C'est-à-dire 20 sur 20. 20 sur 20 de rois d'Israël ont été classés de mauvais rois. Alors que 8 sur 20 de rois de Juda, le royaume du Sud, ont été classés bons. Mais quand même, ça reste la plupart d'Israël. Deux rois du royaume du Sud de Juda ont été classés mauvais. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'Israël ait disparu, c'est pas pour rien non plus que le royaume du Sud de Juda, il a été emmené captif en Babylone. Donc, Salmanazar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya en tribut. Voilà. On paye en tribut et même et l'économie là commence à être dévalorisée. Donc, voilà que si du temps du roi Jéroboam II, l'économie et la politique allaient bien, là, ça commence à tout commence à être ruiné. Hein? Donc, l'économie, elle commence à être dévalorisée parce qu'il faut payer un tribut pour l'Empire assyrien. Et aussi, la politique externe, tout comme la politique interne, nous avons vu de coups d'État successifs. Hein? Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à Sceaux, le roi d'Égypte, et qui ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. Donc voilà que le roi Osée a essayé de faire une conspiration contre l'Assyrie, hein, alors que l'Égypte à cette époque n'était pas si puissant que ça non plus, hein. L'Égypte était affaiblie aussi, donc cette conspiration n'a pas réussi. Et voilà que au-delà de payer un tribut, le roi Osée se fit aussi enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie, c'est-à-dire attaqua le royaume du Nord Israël. Il en fit le siège pendant 3 ans. Et la 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Et il les fit habiter à Shalach ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve des Gozans, dans les villes de Mède. Et voilà que l'Empire assyrien a fait disparaître pour de bon le royaume du Nord, Israël. Et le livre du prophète Osée, en fait, il peut être divisé en trois parties. En trois parties, et nous avons là l'en-tête hein, du livre, hein, Osée chapitre 1. Osée. Chapitre 1, verset 1. Hein, parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béri, durant les règnes d'Ozias, Jotam, Akas et Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Donc, voilà le contexte historique. Juste après, nous avons le début de son ministère et aussi la demande de Dieu. C'est-à-dire que le prophète Osée démarre son ministère avec cette demande un peu bizarre, mais ça venait de Dieu. Donc Osée n'a pas eu le choix. Début de parole de l'Éternel à Osée.
L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ça veut dire que le prophète, pour qu'il proclame toute la profondeur des pensées de Dieu, il faut qu'Osée ressente aussi la même chose que Dieu ressent pour Israël. Donc, le pays s'est prostitué. Le peuple s'est prostitué en abandonnant le Seigneur, en adoptant d'autres coutumes. Ça va au-delà, hein, parce que il y a eu l'adoption des coutumes, la religion des autres peuples. Au nom de quoi? Au nom de la politique externe, au nom de l'économie, au nom de la bonne stabilité politique interne, hein, on va adopter les coutumes des autres peuples aussi. Donc, il faut faire plaisir aux autres pour gagner en puissance, en économie, l'argent et tout. OK? Donc, voilà le vrai sens de l'idolâtrie, l'adoration de soi-même. Ça va jusqu'au chapitre 3, verset 5. Hein? Osée la femme adultère. Donc, jusqu'au verset 5, nous avons l'histoire du prophète Osée et sa femme prostituée. Et à partir du chapitre 4, nous avons les prophéties, les oracles du prophète Osée en soi, et ça va jusqu'à la fin du livre. OK? Donc, les chapitres 1 à 4, 1 à 3, vont raconter un peu la biographie du prophète Osée et sa relation avec Gomer, sa femme, une prostituée. Ce récit sert de toile de fond pour tous les oracles contre Israël. Hein? Et cette histoire personnelle d'Osée avec sa femme prostituée va servir aussi de toile de fond pour toutes les prophéties de chapitre 4 à 14. Hein? Et dans ce chapitre, il y a un récit aussi de la relation de Dieu avec Israël qui se reflète dans la relation d'Osée avec Gomer. Donc, toute l'histoire de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël, elle est mise dans un miroir de l'histoire d'Osée avec sa femme Gomer, la prostituée. Et donc, le message prophétique d'Osée se trouve dans le chapitre 4 à 14, peut être structuré en quatre points. Hein? Si on prend les chapitres 4 à 14, nous pouvons diviser toutes ces prophéties en quatre points. L'accusation, hein? C'est le chapitre 4 du verset 1 au verset 11. Là, nous avons toute l'accusation qu'Osée adresse à Israël. Hein? Donc, on n'a pas le temps de tout lire, mais c'est bien un récit, une prophétie d'accusation, écoutez la parole de l'Éternel israélite, car l'Éternel a un procès. Hein? Osée, il emploie un langage juridique, hein? Un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Pourquoi il n'y a pas de vérité? Parce que la vérité est le contraire de l'illusion. Et dans quelle illusion le pays où les Israélites vivaient? L'illusion que tout allait bien parce que l'économie allait bien, parce que la politique allait bien. Hein? Alors que ce n'est pas vrai. Hein? Même si l'économie et la politique allaient bien, la relation du peuple avec Dieu n'allait pas du tout bien. Et puisque cette relation du peuple avec Dieu n'allait pas bien, il vivait hein, une illusion, pas un mensonge, hein? Une illusion. Et l'illusion était de faire confiance à la politique et à l'économie. Et cette illusion, elle se révèle juste parce que nous avons vu que le royaume du Nord, Israël, va disparaître
parce qu'ils se sont fiés à une illusion et pas dans la vérité. C'est quoi la vérité? La confiance en Dieu, la relation avec Dieu. Hein? Pas de bonté, justement, ça va dégringoler dans toutes sortes d'injustices, nous avons vu. Hein? Que toute cette richesse, elle a rendu les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et pas de connaissance de Dieu. Voilà, la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de la parole, de la loi de Dieu. OK? À partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, nous avons le jugement. Hein? Et là, on rentre effectivement dans le jugement avec destruction et captivité. Nous avons là le chapitre 5. Hein? Jusqu'au chapitre 8 qui nous montre la destruction, la punition et la captivité d'Israël. Hein? Voilà que l'ennemi le poursuivra. Hein? Ils ont établi des rois sans mon ordre, des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. Du coup, il y a là un jeu de mots. Parce que ce sont des idoles matériellement parlant, hein, des idoles, des statues, mais aussi des idoles dans la conception de croire à l'argent et à leur. Donc, ils se sont fiés à leur richesse. Hein, et on se fie, lorsqu'on se fie aux richesses. On se croit Dieu parce qu'on croit pouvoir tout faire parce que nous avons beaucoup de richesses. Hein? C'est pourquoi ils seront anéantis. Du coup, voilà. Israël a oublié ce qu'il a fait. Il a construit des palais. Juda a multiplié des villes fortifiées, mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il dévorera leurs palais. Donc, voilà. Le problème de faire confiance aux richesses et à la politique. Hein? Et voilà le vrai sens de l'idolâtrie. Et Dieu dit tout simplement qu'il enverra en feu pour tout détruire. Pour tout détruire dans le sens de leur montrer la vérité. Quelle vérité? Que nous ne pouvons pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Et le fait d'être riche et puissant, ça ne veut rien dire en fait. Hein? Parce que tout ça peut disparaître d'un moment à l'autre. Au chapitre, juste après, nous avons l'instruction, hein? C'est-à-dire une invitation à se repentir. Hein? Et voilà une autre caractéristique de la prophétie biblique. Il y a l'accusation, il y a le jugement, mais il y a toujours une invitation à se repentir. Il n'y a pas de rétablissement de relation sans repentance. Hein? Dieu, il est prêt à pardonner. Dieu, il démontre sa grâce. Dieu, il vient vers le peuple. Mais pour que le peuple soit restauré, il faut qu'il y ait la repentance. Hein? C'est-à-dire que Dieu est toujours prêt à pardonner, à restaurer, mais il faut une contrepartie du peuple, c'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire la prise de conscience, hein, de ce que le peuple a fait et combien ils étaient éloignés de Dieu. Hein? Une fois qu'ils auront cette conscience d'être tellement éloignés de Dieu, hein, ils diront, oh là là, nous sommes tellement éloignés, il faut revenir. Et là, Dieu est prêt à les accueillir. Hein? Dieu ne rejette pas un cœur repenti. Hein? Mais s'ils restent dans leur orgueil, dans leur puissance, dans leur confiance à la politique interne, externe, à l'économie, voilà, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas accueillir un peuple qui reste dans son orgueil. Hein? Et enfin,
les conséquences au chapitre 14, hein, avec la restauration de juste. Voilà, appel à revenir à Dieu. Hein. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute, apportez avec vos paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Voilà. Hein? Pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Hein? Et ça, Dieu ne rejettera son peuple. Dieu ne rejettera pas son peuple. Hein? Et c'est là la grâce de Dieu. Dieu, il aurait pu rejeter le peuple. Non, je ne vous accueillerai plus jamais parce que de toute façon, vous avez déjà choisi votre chemin. Donc, il n'y a pas de retour. Mais non, si le peuple dit ça à l'Éternel, pardonne nos fautes et fais-nous bon accueil, Dieu est prêt à pardonner. Voilà la grâce de Dieu. Voilà le pardon de Dieu. Dieu est prêt à pardonner. Mais si le peuple revient, si le peuple ne revient pas, et voilà le résultat. Le peuple, Israël, a été complètement anéanti. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas revenu. Il ne s'est pas repenti. Hein? Voilà, l'Empire assyrien ne nous sauvera pas. Hein? Voilà la prise de conscience. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Hein? Voilà, Seigneur, notre politique externe, nos forces, nos méthodes n'ont rien apporté de bon pour nous. Pourquoi? Parce que c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Il n'y a pas de compassion dans le monde, mais auprès de toi, nous trouvons la compassion. Et je réparerai leur infidélité. Et voilà, ce que le peuple peut faire, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il n'y a pas de compassion que auprès de Dieu, hein, ça le peuple doit avouer. Hein. Ce que le peuple ne peut pas faire, c'est-à-dire réparer l'infidélité, réparer les fautes et en cœur infidèle, c'est l'océan qui le fera. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Voilà. Et là, Dieu restaure. Mais pour que la restauration ait lieu, il faut se repentir. Ce qui n'a jamais, ce que s'est jamais produit dans le royaume du Nord Israël. Et c'est pourquoi ils ont été anéantis, anéantis physiquement, mais anéantis spirituellement aussi. C'est-à-dire qu'en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence possible. Donc, et Dieu leur a montré ça d'une façon concrète. Hein? Et ils ont été anéantis d'une façon concrète parce que spirituellement, ils n'avaient plus de vie. Donc, plus de vie spirituelle, plus de relation avec Dieu, plus de vie concrète, matérielle non plus. Donc, voilà un peu comment nous pouvons partager le livre du prophète Osée. On s'arrête là pour aujourd'hui et lors de la prochaine vidéo, lors de la prochaine étude biblique, nous continuerons de voir un peu l'objet, le contenu du prophète, hein, la signification des noms de fils d'Osée et un peu quelques approches interprétatives du prophète Osée. Ok? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.